Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa C. Diamant, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai changé ma technique pour filmer, j'ai pris mon grand mât, alors j'espère que ça ira. Je fais un essai, parce qu'on m'a signalé que quand je faisais des blabla point de croix, eh ben, on ne voyait pas très très bien des fois ce que je faisais. Donc j'ai pris un mât plus grand et j'espère que ça ira. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, oui. Voilà. Bon, alors, on va commencer. Ça me stresse un peu que le filmage est haut comme ça. Mais bon, ça devrait aller, j'espère. Alors, on y va. On va commencer. J'avais très envie de commencer cette toile. Mon petit gnome vert. J'avais très, très envie. Il me tâtait de le commencer. Voilà. Par contre, je vais peut-être vous zoomer parce que je trouve que ça fait haut. Voilà. Attends, peut-être pas si... Peut-être pas autant, quand même. Alors, attendez. Voilà. C'est une toile de spring qui me vient de la société VIP Cross Stitch. Elle fait 60 par 60, c'est du 14 CT. Et apparemment, elle existerait aussi en 16 CT. Je viens juste de le remarquer. Vous avez vu? Donc, voilà. Alors... On a des jolies couleurs. Vous avez vu ce panoplie de couleurs vraiment magnifique. Splendide, vraiment. Je suis peut-être un petit peu trop zoomée. Voilà. Normalement, il y a les aiguilles quelque part. Ouais, elles sont là. Alors, et on a 90 couleurs. Ouais. C'est énorme. Hein. Énorme. Je vais enlever les aiguilles qui sont là. Je profite, je fais avec vous. Prends son temps. On n'est pas pressé. Par contre, j'essaye de me mettre bien dans le champ quand même. Hein, que je ne fasse pas tout ça pour rien. Son message, je l'ai pas mal pris, hein, au contraire. Hein, elle était très, très gentille, la dame. Et c'est vrai que moi, des fois, je filme et c'est pas évident de filmer du point de croix. C'est plus facile de filmer du diamond painting, car le diamond painting, on ne bouge pas nos mains. Voilà. Alors, ça, on va pousser ça. Alors, on va regarder un petit peu le patron. De toute façon, vous l'avez vu en unboxing, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être un mois à peine. Alors, je vous l'ai dit, elle me vient de chez VIP. C'est en feuillet comme ça. C'est même pas en livret. Alors, c'est comme ça, comme ça. OK. Et... La partie, ça et ça, ça va ensemble. Et ça, ça va au-dessus. Voilà. Alors, on a bien nos 90 couleurs. 89 et 2, 4, 6 couleurs de mélange. Voilà, on a bien... Parce que c'est un peu haut. Attendez, je vais me mettre sur pause et je reviens. Voilà, je pense que c'est bien là. Enfin, j'espère. Je vais zoomer pour filmer après avec vous. Et on a 6 pages, oui, du patron. Et c'est vraiment magnifique. Et vous avez bien les symboles du patron. Sur la colonne de droite et sur la colonne de gauche, les symboles de la toile. Ouais. Voici le joli modèle de mon joli gnome. Alors, toujours dans un sachet plastique,
j'enlèverai. Il y a une mouche qui traîne depuis tout à l'heure, elle m'agace. On va être mi-octobre et il y a encore des mouches, c'est dingue. Alors, et comme je vous le disais la dernière fois, elle a imprimé très très clair, très très pâle comparé à mon autre toile cerise. J'ai mon gnome cerise. Alors attendez, je vais enlever la bougie pour pas faire de bêtises. Voilà. Regardez-moi cette magnifique toile. Alors, est-ce que vous voyez bien? Parce que moi, je ne vois pas bien. Si vous, vous voyez bien. Je vais me lever. Et comme ça, je vais voir en caméra. Ah bah si, vous voyez bien. Ah. Je vais peut-être un petit peu vous... Alors, attendez. Voilà. Ah bah si, je suis très contente. Très, très, très contente. J'espère que vous aussi. Là, je suis debout. Vous, vous croyez que je suis assis, mais je suis debout, en fait. Et il y a... Ouais, il y a quoi? Il y a peut-être 50 cm. Alors, par quel endroit je vais commencer? Peut-être par ici. Comme ça, vous allez bien voir. Je vais commencer par la petite plante grasse. Ici. Ouais, ça peut être bien. Je vais essayer de vous incruster une petite photo en même temps que je brode, maintenant que je sais le faire. Ça peut être bien. Alors, je prends une aiguille. Le symbole, c'est quoi comme symbole? Alors, je prends une aiguille. Hop là. Je rangerai ça dans ma boîte à aiguilles. Et c'est les croix vertes. Et des croix vertes, c'est... Non, chouchou, tu m'embêtes pas. Je te vois venir. C'est du 35. Alors. C'est la deuxième cartonnette. Et c'est un joli vert comme ceci. Magnifique, très très beau. Hop, je prends un fil comme d'habitude, je le plie en deux et je fais mon démarrage comme ceci. Quel calme à la maison, je suis toute seule. J'ai fait beaucoup de ménage, beaucoup de rangement. Et je voulais entamer cette toile. Je vais pousser un peu le bazar. Je vais rouler. C'est ce que se disait... je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Que les toiles Mona Lisa sont plus maniables que les toiles Spring. Et c'est vrai. Les toiles Spring sont très très bien imprimées. Mais sont un peu plus raides. Mais bon, elles sont très très belles à manier. Qu'est-ce que t'as? T'as peur? T'as peur de ma toile? Et ça va pas ta tête. Elle est en train de mettre des coups de patte. Alors, on va y aller là. Alors, je vais plier pour prendre appui. Alors, j'espère que je suis bien calée. Oui. Alors, je vous zoome quand même de plus près. Voilà. Et là, vous êtes bien. Vous êtes impeccable. Donc, il y aura d'autres vidéos peut-être mal faites ou que vous ne voyez pas très, très bien. Donc, j'en suis désolée. Des vidéos qui sont déjà programmées. Et voilà, mes premières croix. Moi, je remercie infiniment VipCrossStitch pour leur confiance. Je vous mettrai le lien de la boutique et le lien de l'article en barre de description, comme d'habitude. Et vous retrouverez, comme d'habitude, mon petit code promotionnel chez VipCrossStitch avec Vanesse10.
que je vous mettrai ça aussi en barre de description. J'espère que mon chat ne va pas me faire lever, parce que depuis ce matin, les animaux, ça y va. Hein. Je n'ai pas mis de chaussettes, je suis pas très chaud au pied. Vous voyez, je filme, nous sommes en haut. Je pense que plus je prends de la hauteur et plus le format, comment dirais-je, pour filmer est plus vaste, je pense. J'ai un plus grand espace pour filmer. Enfin, peut-être. Hein. Après, je peux me tromper. Je ne sais pas. Oh, mon chat veut sortir. Je vous assure, c'est pas possible. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez des animaux. Ah, non. Elle retourne. Elle a regardé par la fenêtre. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Désolée, si par moment je fais des blancs, c'est que je regarde en fait où je suis. Chouchou, t'es embêtante. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu veux te faire remarquer en vidéo? C'est ça? Je veux dire aux abonnés que t'es malheureuse. Et je vais devoir vous mettre sur pause. Voilà. Désolée. Ah là là. Descendre là, je peux descendre. C'est pas. Très très loin. Elle est bien imprimée. Elle est claire, mais elle est très très bien imprimée. Je vois très très bien. J'ai l'odeur de ma bougie là qui vient dans mon nez là par moment. Ça sent bon. Ma bougie fraise des bois. Presque terminée. J'ai eu un nouveau partenariat. Je suis très contente. Vous connaissez très très bien cette boutique. Mais moi, c'est la première fois qu'il me contacte en fait. Et alors, vous voyez, je passe par derrière, comme d'habitude. Alors, attendez. Voilà, hop. Et je refais un petit coup. Vous voyez, et je tire mon aiguille et je coupe à... est-ce que j'ai un ciseau? Bah, bien sûr que j'ai un ciseau. Et je coupe à... Et je suis très, très contente d'avoir... ce nouveau partenaire, ça me fait très très plaisir. Alors, j'ai été un peu trop vite dans ma démarche de faire mon point d'arrêt. Voilà. Hop. La toile est un peu raide, mais ça se fait. Très très bien. Ouais, il faudrait que je trouve des pinces pour faire tenir la toile. Voilà. Parce que ça fait travailler la main et c'est un petit peu raidouille. Mais ça se fait très très bien.
un joli vert. Après, je ferai des petits points orange. Les petits points orange, je ne sais pas c'est quel numéro de fil. Encore du vert, je pense. Hein. Faites voir le diagramme. Ah oui, il y a du rose aussi. D'accord. C'est très joli. J'aime beaucoup. J'adore ces gnomes. Ils sont vraiment trop choux. Faut que je me mette les petits gnomes que j'ai eu en aimant. Je crois que j'en ai un là. Je crois que j'en ai un autre en bas. Hop. Alors, je fais mon arrêt et je coupe mon fil. Voilà. Alors, on va prendre le orange et le orange, c'est le 53. Et le 53, c'est la carte nette. Celle-ci, et c'est un vert pétant. Vous voyez le vert comme ça, là? Il est vraiment... Ça pète. Hein. J'en ai pas beaucoup. Et je prends un fil. Voilà. Je vous ai tourné aussi un vlog. Je pense que quand vous aurez cette vidéo, vous l'aurez déjà vu. J'ai fini le montage. Il est mis sur YouTube. Voilà. J'espère que ça filme toujours parce que je crois que j'ai plus beaucoup de batterie en plus dans mon téléphone. Comme j'ai fait le montage de ma vidéo, moi je fais tout. Ça, la boîte par contre, ça fait du bruit. Je vais peut-être l'enlever. Hop, je vais la mettre là. Je fais tout mes montages vidéo avec mon téléphone. Très joli vert pomme un peu. Vous savez, les pommes granny là, ça ressemble. Vous voyez, c'est très très beau. Je me suis voilà, hop, du coup je remets une aiguille. J'ai envie de faire aussi des gros bisous à mes copines parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en visio, enfin moi personnellement. Je suis désolée les filles, en ce moment je suis un petit peu, voilà, débordé. Je pense bien à vous toutes. Quand vous verrez cette vidéo, je pense que ça sera les vacances scolaires. Je pense que oui. Hop.
Faudrait que je reprenne un peu ma broderie perlée. En gardant une petite vidéo. Vous voyez, là, je l'ai cassé, c'est plus souple. Je casse un petit peu la trame de la toile. Enfin, cassée. Je me comprends pour que ça soit plus facile d'accès. Mais qu'est-ce qu'elles sont agréables, ces toiles string, quand même. Mon cœur balance entre le spring et le Mona Lisa. Parce que mes grandes toiles, là, j'adore. Mes grandes toiles paysage. J'aime beaucoup. J'aime énormément. Ah, bah là, j'ai oublié un point. C'est pas grave, quand je ferai les points là, je rattraperai. Je vais le faire de suite. Ça fait joli, hein, ce vert là. Vert, c'est vert. Et c'est pour Vanessa. Myriam aussi, elle aime beaucoup le vert de la chaîne Mimique et ses loisirs. Hop. Alors, mon petit point d'arrêt. En plus, là, comme j'ai fait des points, c'est plus souple. Ça va, impeccable. Hop. Là, je vais regarder après la vidéo de Gwen, de Minimeux. Elle a sorti sa vidéo... avec la toile qu'elle fait en duo avec Myriam, justement. La toile du marché, ou je sais plus comment ils l'ont appelée. Je vais regarder ça. Une toile en beige encore, enfin marron. Qui a l'air magnifique. Il me semble qu'ils l'ont acheté sur AliExpress. Il y a Véro aussi qui a sorti une vidéo unboxing de AliExpress. Elle a choisi une toile. J'ai jamais vu cette toile. Elle est vraiment magnifique. C'est pas une Mona Lisa. Je ne sais pas ce que c'est comme marque, mais elle est vraiment très 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 belle. Je vous mettrai le lien de sa chaîne si vous voulez aller voir son unboxing. Elle est vraiment splendide sa toile. Encore un paysage asiatique, mais vraiment magnifique. Dans des tons de vert, d'orange, mais des couleurs très pâles, très douces. Vraiment magnifique. J'aime beaucoup regarder les vidéos de Véronique aussi. Je mettrai le lien de sa chaîne, je sais plus c'est comment. À chaque fois, je me trompe dans sa chaîne. Je vais regarder, je vais vous dire ça. J'ai ma tablette qui est juste à côté de moi. Hop. Alors, la chaîne de Véro, ça s'appelle. Je suis là. Je ne suis pas partie. Alors, la chaîne de Véro, c'est. Les petites croix et des épées de verrou. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa voix. J'aime beaucoup ses vidéos. Bon, c'est une dame qui doit être plus âgée que moi, je pense. Mais qui j'aime beaucoup sa façon de dire, sa voix. Ça m'apaise énormément. J'aime beaucoup. C'est comme Gwen. Gwen, elle a une voix toute douce. J'aime beaucoup regarder ses vidéos blabla. Je parle pas de d'Isa, vous savez très bien hein, que moi, Isa, voilà. Mais
Et ça me fait rire aussi, avec son bonnet. Ah, nos sacrés chats. C'est vrai que j'ai remarqué dans les vidéos point de croix ou d'épée, il y a toujours un chat qui traîne quelque part. Alors là, je vais faire les demi... des demi... comment dire, carrés, là. Et c'est du 27. Alors, du 27, c'est un verre comme ça. Je sais pas, ça fait combien de temps que je finis. Comme j'arrive pas à voir, j'en ai qu'une idée. Eh ben, ça sera la surprise du chef. Bah alors, j'arrive pas à... Ah bah voilà. J'arrivais pas à mettre mon fil dans le chat de l'aiguille. Voilà. Alors, je ne me trompe pas de couleur. Hein. Je sens bien dans le même sens. Oui. Il faut toujours bien regarder le sens. Parce que des fois, on a des symboles comme ça. Et des fois, on a des symboles dans l'autre sens. D'ailleurs, je vous ai fait... dans mon vlog, je vous ai fait un bout de... Quand j'ai commencé ma vidéo, je me suis trompée de couleur. Je me suis aperçue après. Ah, j'ai plus de batterie. Alors, attendez. Je vous mets en charge. Faut pas que je vous bouge. Voilà. Normalement, vous êtes branchés. Ça devrait y aller. Oui, je vous disais quoi ? Ah oui, que quand j'ai fait ma dernière partie de vlog, je me suis trompée de couleur. Au lieu de prendre du 40, j'avais pris du 41 et ça n'avait rien à voir. C'était du rose pâle que je devrais prendre et j'avais pris du beige. Mais je me suis dit, mais il y a un problème là. Ah bah oui, j'ai regardé et... C'était pas ça du tout. C'est pas grave, ça arrive. Donc j'ai appelé Pénélope et... J'ai enlevé ce que je m'étais trompée. Ça faisait longtemps que j'avais pas appelé Pénélope. Mais voilà. Ça arrive. Hein. Ça arrive à tout le monde. Même ceux qui brodent depuis longtemps. Ça peut nous arriver. C'est pas grave. Puis même si j'aurais laissé. Hein, je pense que ça aurait pas fait... C'est pas comme si que je prenais du rouge à la place du bleu ou quelque chose comme ça, ou du vert, quoi. Dans le ciel, où il y avait du feuillage et puis des fleurs, si j'aurais pris du blanc à la place du rose, c'était pas très, très important. Et bon, je m'en suis aperçue, donc je l'ai enlevé et voilà. Je vais préparer à manger pour ce soir, comme ça, ça sera fait, comme ça, je serai tranquille. Et je vais peut-être aller couper mes rosiers, je vois que le soleil veut peut-être venir. Ça serait bien, parce que il y a un peu besoin de nettoyage dehors, mais avec le temps qu'on a, avec mon mari, on aimerait bien tondre, mais à chaque fois, il pleut, c'est mouillé, c'est compliqué. On aimerait bien tondre pour l'hiver. Ça serait sympa. Mais bon. Je finis les deux points. Et après, je pense que je vais vous laisser là. Avec ma petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je mets mon aiguille. Et je la pique.
pour pas la perdre et je vous montre ce qu'on a fait. Très joli, hein. Voilà le derrière. Je vais vous dézoomer. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remontre encore ce joli modèle que j'ai eu de chez VIP Cross Stitch. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous embrasse. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!